Aujourd'hui, je reprends l'exercice que j'ai fait il y a 10 ans, mon premier, sur ma chaîne YouTube. Alors, euh, je reprends le même, mais on s'entend que n'importe quel objet, euh, peu métallique, sur lequel il y a une partie non métallique, peut servir à faire le même exercice. Je reprends le même ici, mais on, je pourrais le refaire aussi sur un appareil photo, etc. Mais bon, par tradition, je reprends le même parce que ça, ça suit ce que je donne en cours euh, pour la plupart des participants à mes formations. Maintenant, euh, pour faire l'exercice suivant, ça va être deux prérequis. D'abord, un objet sur fond transparent, donc un damier, et une texture qui va recouvrir cet objet-là. On va commencer par le premier prérequis. Là, c'est dans il faut que je supprime euh, l'élément. Par contre, quand on ouvre un fichier, c'est marqué euh, arrière-plan euh, ou background. Euh, je le dis une fois. Même chose pour euh, le panneau calque ou le menu calque. Les calques sont des layers si vous avez une version anglaise. Mais je, je, je veux alléger mon, mon podcast. Donc, je ne le répéterai pas tout le temps à ce niveau-là. Les mots moins communs, je les dirai en anglais. Sinon, euh, je les dis en français. Voilà. Maintenant, pour faire ce... Bon, il faut comprendre une chose, c'est que là, j'ai un, un arrière-plan ou un background. Et si je prends les faces ici, si j'efface, je vois le background qui est une couleur un peu, euh, peu grisâtre, euh, colorée. Et si maintenant, je permute avec le bouton ici ou avec la touche X, parce qu'on voit le raccourci indiqué à la fin, ça me permet de voir que maintenant, le fond est en gris. Moi, par contre, je veux un fond à damier. Alors, pour ce faire, je vais... Euh, ici... Faire la, annuler, annuler la gomme pardon, les deux fois, ou, ou comment Z ou contrôle Z selon la version euh, PC mac que vous avez. Et deux, fa deux façons pour euh, convertir notre élément. Soit double-cliquer sur le nom, là il y a un panneau qui apparaît. On change le nom ici, comme ça ici, revolver. Et quand je vais faire OK, ça devient un élément qui va s'appeler revolver, qui va être un calque. Le cadenas va disparaître. L'autre façon, la plus simple, si j'annule cette opération-là, c'est de cliquer sur le cadenas et de manuellement cliquer sur le nom, puis renommer ici notre calque. Okay? Alors, parce que oui, maintenant, c'est un calque, ce n'est plus un fond ni un background, c'est un calque. Maintenant, pour supprimer le fond blanc, parce que dans le fond, je veux conserver mon objet qui est un premier prérequis, deux, deux possibilités. Une version récente, vous faites sélection, sujet, et là, on va bien voir que le sujet va être sélectionné automatiquement. Par contre, ça ne prendra pas la sélection à l'intérieur de notre euh, espace ici, de la gâchette, et l'espace le, ici, là, qui est, qui est le genre de, de, de pièce métallique perforée avec... Euh, euh, on voit la transparence, en fait. Il faut que ça soit transparent. On voit un blanc ici. Alors, ça, c'est la méthode sujet. Par contre, ça ne prend pas certaines sélections. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans le menu sélection ou select et deselect ou désélectionner, comme ça ici. Maintenant... Je vais prendre la baguette magique, je vais cliquer, euh, on peut toujours vérifier la tolérance, on met tout ça par défaut à 32, qui est la base, de, qui fournit de base quand on ouvre Photoshop la première fois. Je clique ici comme ça, on voit bien que, en fait, la tolérance va faire que le, la, la couleur, en fait, l'objet va être cliqué, puis ça va être seulement le blanc, et ça n'emparquera pas, euh, en fait, sur le, le, En fait, je donne un exemple ici, si je mets euh, 64, donc si je double, regardez bien ce qui se passe. Ça, ça touche le sujet. Donc, il faut trouver une tolérance qui va sélectionner que euh, le sujet lui-même. Peut-être même je pourrais aller à 24 ici, comme ça ici. Je les sélectionne, je les sélectionne et ça fait bien le travail, tout est bien séparé. Par contre, ça on voit bien que l'intérieur ici n'est pas plus sélectionné, pas plus que l'intérieur ici. Donc, on va prendre la, la touche majuscule ou Shift et on va cliquer sur à l'intérieur de... De notre objet. Et pour être sûr que, que je sélectionne bien l'objet ici, elle est en fait le, le, le blanc à l'intérieur, donc le vide, j'appuie la touche Caps Lock ou le majuscule barré pour voir une ridicule plus précise pour cliquer à l'intérieur. Okay. Alors maintenant, je peux simplement aller sur mon clavier et faire supprimer euh, la couleur qui est sélectionnée, en fait le fond qui est sélectionné pour faire ça ici. Euh, au niveau du damier, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus euh, dense, parce que là on voit que le damier est tout petit, euh, c'est toujours dans les préférences. Alors en PC, édition, euh, PC ou en tout cas Windows, édition, euh, préférence dans le bas ici. En Mac, ben, ça va être dans le nom du logiciel, préférences, et on va choisir des préférences qui se nomment transparence et couleur de non imprimable. Nous, on, on joue sur la transparence, on veut quelque chose de plus clair et euh, moyen ou encore peut-être plus, euh, plus espacé comme ça ici. Alors, donc ça nous donne un effet euh, où on voit plus notre damier comme ça. Donc ici le premier prérequis est euh, actif. Le second, prend la texture ici, et la copier-coller ou simplement la dupliquer dans notre image revolver. Alors c'est le plus simple. Alors, bouton droit au-dessus du calque, le bouton droit de la souris au-dessus du calque. Alors, en fait, du, du fond qui s'appelle... Euh, Arrière-plan, de, 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 de l'image qui s'appelle arrière-plan, parce que ce n'est pas un calque vu qu'il y a un cadenas ici. Et là, on va l'appeler texture, comme ça ici. Et on va choisir la destination, donc, donc l'image sur laquelle je veux avoir euh, cette texture-là, donc le revolver. Et maintenant que ça c'est fait, je peux fermer cette image-là. Et oui, maintenant l'image est au-dessus de notre, euh, notre élément. Donc on respecte les deux prérequis une texture au-dessus d'un objet qui est un fond de damier qui, donc l'objet est transparent. Maintenant, ça, ça va me permettre de faire un, un, ce qu'on appelle un masque décrétage. Alors, dans le menu Calque ici, alors Masque décrétage ou euh, Compound masque. si je prends la version angla anglaise du logiciel, ça, je ne l'ai pas nommé tantôt. Alors, soit je passe par ici, ou encore, le plus simplement du monde, je vais faire la touche Alt ou Option, selon PC ou Mac. Alors, voyez vous je mets mon curseur entre les deux lignes qui séparent les, les calques. Et là, je vais cliquer là-dessus ici. Et maintenant, on voit la texture qui englobe notre objet. Par contre, si je remets ça à mon client, le client va me dire, euh, la texture, est... mon métal n'est pas très anodisé. c'est comme un, un, une masse de couleurs. Alors, rappelez-vous qu'il euh, y a ce qu'on appelle des modes de fusion. Alors, pour un calque sélectionné, alors, ce que je veux, moi, c'est faire une fusion euh, de ma texture sur le métal. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir choisir un mode de fusion ici. Alors, définir le mode de fusion pour le calque. Alors, euh, ça va être la même chose euh, pour euh, toutes les versions euh, actuelles. Ben, en fait, ça, ça existe depuis Photoshop, euh, je dirais, euh, deux, même trois. En fait, Photoshop 3, a, ça a commencé avec Photoshop 3 euh, dans les années 94-95. Alors, maintenant, n'oubliez pas que j'ai déjà mentionné dans un cours précédent euh, qu'est-ce qui est important ici. Il y en a six, euh, les plus importants. Les autres, c'est à essayer, mais ils ne sont pas essentiels. Les plus importants, c'est Produits ». Dans notre cas, ça ne s'applique pas. Il y a « Couleur », il y a « Superposition », il y a « Incrustation » et « Lumière tamisée ». Dans notre cas, parmi tout ce qui est présenté, pour avoir l'effet qu'on veut, c'est vraiment « Incrustation » avec un, peut-être une opacité moindre ou encore « Lumière tamisée », mais je préfère « Incrustation ». Voyez-vous, « Incrustation », c'est plus saturé un peu, mais je vais venir réduire l'opacité à 85 comme ceci, en appuyant en « Entrée » ou « Enter » après avoir choisi le chiffre, comme ceci ici pour dire c'est la valeur que je veux. Maintenant, j'ai mon effet. Le problème ici, c'est que là, euh, le métal est anodisé. J'ai un bel effet. On voit, que, on voit que la texture suit bien la forme de l'objet. Ça respecte les valeurs claires et euh, ombrées ou denses ou noires de notre sujet, de notre objet. Par contre, ici, ça n'a pas d'allure d'avoir ça sur euh, l'élément qui est ici. Okay? Alors, sur la crosse du revolver. Parce que c'est comme une, une texture autre. On ne veut pas ça là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un un masque de fusion ou un layer mask, comment on fait ça, c'est qu'on fait simplement cliquer sur euh, le troisième icône à partir de la gauche, comme ça ici, et ça rajoute un masque. On voit qu'il est sélectionné parce que euh, j'ai des petits ancrages aux quatre coins. L'inverse, si je prends euh, la sélection en fait, de, de l'image elle-même, on voit que les ancrages changent de côté pour m'avertir que j'ai fait un, un choix entre les, les deux éléments. Et aussi, pour le savoir, c'est que quand j'ai de la couleur ici, la, la couleur apparaît quand j'ai l'objet, mais quand je, je suis sur le masque, je vois le noir et le blanc. Okay? Alors à ce moment-là, le noir, il faut savoir que ça cache et le blanc ramène ce qu'on a caché. C'est pour ça qu'on, pour faire ce qu'on va faire, on n'effacera pas pour ne pas perdre la, la, le masque lui-même. On va créer un masque pour cacher. Alors, si on se trompe, on va pouvoir ramener. Je ai un exemple. Je prends le pinceau pour toutes les faces, la couleur noire, et maintenant, je m'assure que ce soit bien le masque qui est sélectionné. Et maintenant, j'efface. Là, on peut choisir la grosseur de brosse en faisant bouton droite sur euh, l'image le, le, à corriger et bouton droite sur la souris, me donne l'option de l'épaisseur et de la dureté euh, de ma brosse, même de la forme au besoin. Ok, Alors, je peux effacer comme ceci. Oui, je déborde là, puis ah, zut, 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 zut Mais oui, je ne me reprends pas. Je vais me reprendre plus tard, un peu plus tard, comme ça, quand je vais avoir fini le travail. Donc, là encore, là, j'ai débordé. Ici aussi. Comme c'est ici aussi. Comme c'est ici. Alors, quand le travail est fait, puis on me dire, ouais mais là, tu as débordé, on voit le truc. Alors, ce n'est pas grave. Je vais prendre le X pour permuter les couleurs ici ou encore le petit bouton comme ça ici. Et maintenant, le blanc me donne l'occasion de retravailler et de repasser sur ce qui a été effacé pour récupérer ce que j'ai effacé en trop. Même chose pour ça, même chose pour ça ici, même chose pour ici comme ça ici, sans toucher la crosse parce que je ne veux pas faire l'inverse, mais je pourrais me corriger. Alors, voilà. Oh, peut-être qu'il y a le petit coin ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Incliner comme ça ici pour aller chercher la forme ici pour pas toucher le, le plastique ou la, la texture et encore là ici je vais permuter avec le noir pour peut-être améliorer la partie qui est ici comme ça donc tout le long comme ça je permets du blanc au noir si je me suis trompé pour faire mes corrections simplement maintenant que ça c'est fait euh, je vois bien le basque qui s'est créé par rapport à la texture maintenant il va me rester à créer un fond alors qu'est-ce que je vais faire comme fond je vais prendre la pipette euh, je vais venir sur mon, ma, ma section d'image, comme ça ici, et euh, je vais prendre bon, la couleur qui est ici, euh, je peux permuter. En fait, pour prendre la, la, la couleur qui est ici, je prends la pipette, je vais choisir ici un gris plus dense, comme ça ici, et je vais faire ici, euh, pour la couleur, la deuxième couleur du dégradé, je vais prendre une couleur comme ça ici, un orange assez dense, en faisant Alt-Click. Un simple clic pour la première couleur d'avant-plan et un, un Alt-Click sur la couleur d'arrière-plan, peut-être un orange plus dense comme ça ici. Maintenant que ça s'est fait, je peux prendre simplement l'outil dégradé. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais direct comme ça? Bien, je vais effacer ma texture. Alors, il faut créer un nouveau calque que je vais nommer fond. Et simplement, en déplaçant le calque de cette façon, le fond va être l'arrière-plan. Donc, c'est vraiment les, les calques. Le panneau calque, c'est vraiment des étages d'images. Alors maintenant, je vais pouvoir prendre mon outil dégradé et si j'allonge, je clique un coin, en fait un point dans, 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 dans l'espace et je glisse le curseur, ça va me donner un dégradé plus ou moins euh, précis selon la distance que je parcours avec le premier clic et quand je relâche la souris. Okay? Alors, si je veux quelque chose de dense, euh, très peu coloré, alors je pourrais faire ça comme ça ici, donc très démarqué, ou ici comme ça. Gris, plus de jaune. Ou d'orange, en fait, parce que je suis pas dans un coin, mais ben, j'étire comme ça ici. Ou sinon, en cliquant ici comme ça, c'est l'inverse. Là, ça va être plus gris et un peu de jaune euh, ou d'orange dans l'autre coin. Alors, à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est en tirant, euh, en cliquant, pointant et relâchant la souris qui va me permettre de faire mon dégradé. Maintenant que ça c'est fait, il me reste à créer euh, l'ombrage. Alors, un ombrage, ce n'est pas tellement compliqué. Il faut toujours se dire sur quel calque je veux travailler. C'est le calque ici. Euh, donc, revolver, parce que c'est l'objet qui a euh, l'ombrage. Alors, dans FX, dans le coin en bas ici, je vais choisir ombre portée. Et là, on voit par défaut l'ombrage que j'ai utilisé précédemment. Alors, ce qui n'est pas si mal. Alors, la densité, bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est sûr que quand je, le panneau apparaît, je peux prendre ma souris en dehors de ce panneau-là pour déplacer mon ombrage. Mais ici, sur quoi on se fie pour créer un ombrage? Ici, j'ai une lumière par en haut. Okay, on voit qu'il y a une lumière qui est claire, là, qui, qui fait la, la longueur du, euh, du canon du, du revolver. Euh, donc ici, en fait, l'ombrage est créé par la lumière qui vient d'au-dessus. Euh, si on regarde ça logiquement. Alors, au-dessus, c'est bien. Alors, si j'inverse comme ça, ce ne serait pas logique d'avoir ça ici comme ça. Okay? Alors, je fais ça comme ça ici. Donc, ça, à la, la première abord, ça, l'angle est, est assez bon. Est-ce que je joue sur l'opacité Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est un, un ombrage réaliste. Et comme notre revolver est représenté dans un genre de bois de collectionneur, euh, à ce moment-là, on s'est superposé par en dessous, par un objet qui, qui laisse flotter un peu l'objet pour pas que ça soit collé sur le fond. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ombrage peut-être un peu plus foncé. Et là, la distance va donner l'effet que l'on veut par rapport à la lumière euh, qui est distribuée. Et ici. Euh, la taille va faire rendre plus flou plus, plus flou mon, mon ombrage. Alors, si j'exagère dans un bar, là c'est trop démarqué, à moins que ce soit un spot qui éclaire l'intérieur de la boîte, on s'entend. Ou sinon, à l'extrême droite, là, on ne voit plus vraiment l'ombrage, on voit une masse noire, floue. Alors, c'est de trouver une valeur moyenne ici. Euh, dans mon cas, si je vais à autour de 27 avec un décalage comme ça ici, c'est pas si mal. Alors voilà, c'est comme ça que j'écris mon ombrage. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour euh, améliorer le final de ça? Bon, notre revolver avait un contour blanc. Et là, tantôt, on ne le voyait pas, mais là, maintenant, on voit qu'il y a une petite lisière blanche tout le tour. Un peu comme si vous faites du scrapbooking et que vous découpez au ciseau une image dans un, dans un magazine. Bien, ça se peut qu'il y ait un petit résidu très mince parce qu'on n'a pas été assez proche de l'image elle-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne l'image parce que la petite bordure blanche, c'est l'objet que j'ai découpé par rapport au fond blanc. Je vais aller chercher dans le panneau calque un élément qui s'appelle, ou le panneau layer, je me répète bon, un, un peu quand même pour ceux qui ont une version anglaise, alors, euh, donc, panneau calque, panneau layer, menu calque, menu layer, la section cache, qui se nomme masque en anglais, et supprimer les franges, ou defringe en anglais, et j'indique simplement un, regardez, regardez ce qui va se passer, là, quand je vais faire OK, la petite lisière blanche tout le tour va disparaître. Donc, ça fait un meilleur effet, ça fait un effet de découpage plus réaliste. Euh, maintenant, euh, si je n'aime pas tout ça fait la texture que j'ai mise dans le sens, que, vous voyez, j'ai une petite un petit, petit chaîne ici, un, un petit chaînage. Si je défais le chaînage et que je sélectionne la texture ici, je vais pouvoir déplacer ma texture. Dans le fond, il faut, faut comprendre que ça, ça chaîne euh, le masque. Alors, si je déplace la texture comme ça ici, regardez le, le masque suit la texture. C'est un peu bizarre, c'est pas ça qu'on veut. Par contre, si je déchaîne l'option, en fait, l'option que j'ai ici, c'est de déchaîner, me permet de, de désactiver le lien qui est entre les deux et qui me permet de simplement modifier la position de ma texture par rapport à mon travail. Okay? Alors, de cette façon-là, je peux améliorer euh, si le client veut plus de couleur, moins de couleur par rapport à une zone de, de l'image. Alors, je peux modifier ça comme ça. Quand ça, c'est terminé, je clique là-dessus. Maintenant, j'enregistre euh, sous mon document. Je vais l'appeler Revolver très souligné ou Underscore fin. Et je le mets sur le bureau. Et voilà. C'est de cette façon qu'on peut euh, faire l'exercice. Alors, euh, amusez-vous. C'est à votre tour d'essayer.